Franck Nivard a tenté de réduire un peu l'écart avec Coco de Lalleux qui est toujours très nettement en tête. Cabalistépol est deuxième, hésite un petit peu d'ailleurs dans les allures et ne parvient pas à boucher les quelques longueurs qui le séparent de Coco de Lalleux. Coco de Lalleux toujours en tête, Cabalistépol deuxième et derrière on est en limonade. Regardez, on est très excité, il y a des chevaux qui vont même à l'intérieur de la piste. Le numéro 2, Croisic Duclos, va gagner du terrain. Une course qui a été tambour majeur dans la phase finale avec Coco de Lalleux qui est toujours en tête. En deuxième position, Cabalistépol qui ne parvient pas à faire les 2-3 longueurs qui le séparent de son adversaire. Coco de Lalleux, Cabalistépol qui va terminer deuxième. Troisième place peut-être pour Croisic Duclos, mais par défaut hein, car tout le monde est à la baguette derrière. Victoire pour le numéro 11 de bout en bout très facilement. Deuxième place pour le 8.